Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous explique comment j'ai reçu ma PS5 en 2 jours. Voilà, il y a certaines personnes en commentaire sur les vidéos précédentes que j'ai faites qui m'ont demandé comment j'ai pu obtenir la PS5. Et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo. Comme ça au moins les personnes qui m'ont demandé vous saurez comment j'ai pu l'avoir. Voilà. Ma PS5, je l'ai eu il y a un mois à peu près. Ça fait pas longtemps et je l'ai eu en fait pendant la période où j'étais en stage dans une entreprise. Donc je faisais un stage pour mes études. Ce stage se passait dans une entreprise qui gérait en fait un centre commercial. Du coup moi dans l'entreprise j'étais dans le service comptabilité. Donc ça veut dire que tu as accès à certains documents, notamment les commandes que le magasin y passait aux fournisseurs. Et j'avais vu justement sur l'un des documents que le magasin y passait des commandes de PS5. Et du coup moi, quand j'ai vu ça, je me suis arrêté net et j'ai été voir la chef du service pour lui demander si c'était possible que j'aille voir le responsable qui vendait ses consoles dans le magasin. Elle m'a dit bah bien sûr, vas-y. Et là, quand je suis arrivé dans le bureau du chef qui vendait les consoles, je lui ai demandé tout simplement s'il lui restait des consoles de PS5. Et le mec il m'a répondu non, je n'ai pas de console, mais j'en reçois au compte-gouttes à peu près 3 à 4 fois par mois. Quand il me disait je les reçois au compte-gouttes, ça veut dire genre il recevait 2 consoles toutes les 2 semaines. Du coup bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah je lui ai demandé tout simplement s'il pouvait m'en réserver une et que je vienne la payer dès qu'il la recevait quoi. Et il me dit bah pas de souci, oui. Par contre il y a déjà 53 personnes sur la liste d'attente. À ce moment-là j'étais vraiment dégoûté parce que quand on te dit qu'il y a 53 personnes sur la liste d'attente et que le mec il te dit aussi que il reçoit les consoles au compte-gouttes, franchement voilà, si j'en réservais une, franchement je la recevais 10 ans après quoi. Franchement à ce moment-là j'étais dégoûté. Mais il m'a dit que comme je faisais partie du personnel du magasin parce que j'étais stagiaire à ce moment-là, il y avait quelques avantages on va dire. Il m'a dit je vais t'en réserver une et dès que je la reçois je t'appelle et tu viendras la payer. Ah, j'étais refait, j'étais trop bien. Je me rappelle du jour où je lui ai demandé, c'était un lundi. Ce jour même il m'a dit qu'il allait être livré de 2 consoles le mercredi. Donc ça veut dire j'attendais lundi, mardi et le mercredi je pouvais l'avoir. Du coup bah le mercredi moi j'étais impatient qu'il m'appelle. Mon téléphone il était à côté de moi tout le temps, j'attendais qu'il m'appelle. Et arrivé 16h, fin de journée, le mec il m'appelle et il me dit ta console elle est là, tu peux venir la chercher et la payer. Franchement à ce moment là j'étais trop content. Je sais il y a certains qui vont dire c'est bâtard d'être passé devant les 53 personnes qui ont réservé leur console. Ou alors il y en a qui vont me dire oui t'es trop chanceux. Et c'est vrai, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir cette console aussi facilement. Et au bout d'un moment, on n'a qu'une vie. J'ai eu la possibilité de l'avoir comme ça. Parfois, la vie te donne la possibilité d'obtenir ce que tu veux sans attendre. Et voilà, c'est tout. Voilà, maintenant, vous savez comment j'ai eu ma console. Voilà, tout ce que je peux dire pour les gens qui souhaitent la console, allez au magasin, commandez-la. Et y aller, en fait, dès maintenant. La commander dès maintenant. Comme ça, vous l'aurez tout simplement le plus vite possible. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un gros j'aime et surtout abonne-toi à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.